Eh bien, salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de tutoriel. Aujourd'hui, un truc un petit peu particulier que je voulais partager avec vous, puisque ça ne va pas vous aider pour un jeu récent, mais bien pour un jeu un peu plus ancien. Il s'agit en fait de Formula One 99-2002. Alors, j'ai réinstallé ce jeu hier suite à une folie et parce que j'ai enregistré aussi les réponses de la FAQ, donc qui sont déjà arrivées pour vous, mais à ce moment-ci, bien elles seront postées demain, comme vous le voyez, on est le 9 février. Et en réinstallant cette beauté sur mon PC, je me suis rendu compte qu'il était limité en termes de résolution. Donc vous ne pouviez pas aller au-delà de 1200, je pense, quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé sur internet un vieux site qui est toujours d'activité, partiellement en tout cas. Et je vais vous expliquer comment mettre simplement votre jeu, par exemple pour ma part en 1920x1080. Et de pouvoir profiter du jeu avec les bonnes dimensions des voitures, des menus, etc. Et avoir quelque chose de correct sur un écran de qualité. Alors pour ça, vous allez sur votre navigateur internet. Pour ma part, c'est Chrome. Et vous allez devoir taper ceci. Ou vous vous référez au lien qui sera dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien, ce sera aussi facile pour vous. Et en fait, vous avez différentes choses, différentes options d'affichage qui sont ici reprises. Et ça vous permet même de passer certains jeux en triple écran. Le triple écran... Ça vous dit quelque chose? Bon, je vous en dis pas plus, si vous me suivez un petit peu, vous aurez compris où tout ça va nous mener. Donc vous avez ici plusieurs fichiers. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fichier qui a été mis il y a 12 ans en ligne, presque 12 ans. Et c'est F1 Challenge 99-02. On télécharge, ici, voilà, moi je l'ai déjà, c'est pour ça que vous avez le petit 1. Alors, votre antivirus, pour ma part, Note32 va le considérer comme un danger. Il n'y a absolument aucun risque, vous pouvez l'analyser, il n'est pas dangereux. Donc vous prenez votre fichier... Vous maintenez clic gauche comme on a vu les fois précédentes, vous retournez sur votre bureau et vous relâchez. Et ça va vous placer votre petit fichier. Normalement vous aurez un fichier rare, moi c'est un autre système de compression. Vous allez extraire votre fichier. Donc vous allez avoir l'exécutif, la configuration et le lisez-moi. Maintenant il va falloir chercher le dossier du jeu en lui-même. Donc ordinateur, pour moi c'est dans le deuxième disque dur. Ça c'est les fichiers d'enregistrement, donc mes jeux. Et je cherche... F1 Challenge. Moi, c'est comme ça que j'ai renommé le jeu. Normalement, c'est dans votre disque C classique. Vous allez le trouver facilement. Et une fois que c'est fait, je vais réduire comme je le fais d'habitude les fenêtres. C'est plus simple. Donc, vous voyez qu'on a l'exécutif qui est repris des deux côtés, la 3D config qui est repris des deux côtés et le lisez-moi. Donc, on va simplement prendre les deux fichiers. On va soit les copier, les coller, soit on les prend avec le clic gauche et on les glisse simplement à l'intérieur. Il va me considérer ça comme des raccourcis intéressants. Donc on va copier, coller, voilà, comme ça marche. Et on va vous demander donc de remplacer les deux fichiers. Et une fois que c'est fait, vous mettez à la corbeille ou vous conservez le fichier. Ça c'est comme d'habitude, c'est vous qui choisissez. Et vous allez d'abord vous rendre dans 3D configuration. Vous double-cliquez à gauche. Et une fois que vous arrivez là, en fait, on va vous demander de détecter votre carte graphique. Et ensuite, vous avez le choix des résolutions classiques, donc les 1024, 1100, 1200. Mais si vous montez un petit peu, regardez-moi ça, vous avez 1700 et 2700, 1500, ça y est. Donc là, ça commence, vous avez votre 1920, et là, vous pouvez avoir des dimensions vraiment adaptées aux écrans de maintenant, donc même au triple écran. Donc voilà, donc comme ça, ça vous permet de profiter de F1 Challenge, qui est sorti il y a maintenant bien longtemps. Ça va analyser votre écran, terminé, et voilà, une fois que vous lancez votre jeu, vous aurez F1 Challenge aux bonnes proportions, donc en 1920, par 1080, voilà. Ça va peut-être pas aider grand monde parce que ce jeu n'est peut-être plus très répandu, mais ceux qui jouent depuis longtemps aimeraient bien savoir ce petit truc pour éviter de s'éclater la rétine et d'avoir des voitures disproportionnées. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, ça a été très rapide, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis!